Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici les missionnaires de l'église Jésus revient du Togo. Ils sont descendus dans la ville de Atakpamé. Jésus. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Nous sommes vraiment maintenant à Atakpamé. Atakpamé nous a accueillis. Voilà Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous allons proclamer le psaume 24. Alléluia. À l'Éternel. À l'Éternel. La terre ce qu'elle renferme. Le monde est ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers. Et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Amen. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, poste éternel. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans le combat. Porte. Port d'Atakpamé, port du nord, port du sud, port de l'est, port de l'ouest, élevez vos linteaux, port d'Agbonou, élevez vos linteaux, élevez-les, port éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'éternel des armées, voilà le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, le commencement, la fin, le premier et le dernier. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Amen. Seigneur grand Dieu, Seigneur grand roi, te rendons toute la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as suivi notre départ et notre arrivée. Et nous sommes vraiment descendus sur cette terre d'Atakpamé. Là où nos pieds ont foulé, ça nous appartient selon la parole de Dieu. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que ta lumière descende en ce lieu. Amen. Que le salut rentre encore en ce lieu. Amen. Afin que tous tes fils et filles que tu as réservés dans cette région soient empâté par le feu de réveil. Amen. Que le feu de réveil les saisisse et les embrasse. Amen. Seigneur, tout ce que tu as préparé d'avance, mets-les sur le chemin. Amen. Nous voulons les rencontrer. Amen. Par la puissance de la parole qui sortira de notre bouche. Amen. Que leur cœur soit vivement touché. Amen. Et que beaucoup d'âmes soient sauvées. Amen. Seigneur, grand Dieu, grand roi, étends ta main afin qu'il se produise des miracles et des guérisons. Amen. Alléluia. Et que seule la gloire te soit rendue. Amen. Nous te disons merci. Merci Jésus. Et nous prions, nous prenons autorité contre les esprits de cette colline. Nous prenons autorité contre tous les esprits méchants. Tous les esprits qui ne confessent pas ton nom. Qu'ils soient liés au nom de Jésus. Amen. Selon Matthieu 18, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Seigneur, qu'ils soient liés au nom de Jésus. Amen.
qu'ils soient tous liés au nom de Jésus. Que leur place soit révoquée, soit détruite, soit annulée, soit rendue sans effet dans le puissant nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous confions toutes choses en tes mains, du début jusqu'à la fin. Et notre séjour ici à Takpamé. Seigneur, nous prions que toutes les villes, les quartiers qui sont ici, Seigneur, qui viennent et prennent part au réveil, à toutes les activités. Amen. Que tous tes enfants, Seigneur, soient touchés par la puissance de la parole. Amen. Seigneur, nous te disons merci, te rendons toute la gloire, car tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus, 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 Jésus. D'Agbonou à Atapame dans le cadre de notre tournée de mission d'évangélisation. Alors, aujourd'hui c'est le samedi et c'est une journée qui est dédiée pour l'évangélisation. Alors nous sortons aussi pour profiter, inviter les frères et sœurs à pouvoir prendre part à cette croisade d'évangélisation qui va débuter à partir de lundi jusqu'à dimanche. Alors c'est la raison qui nous amène en ce lieu. Que le Seigneur Jésus accompagne sa parole de feu afin que les âmes reviennent à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Yeah.
Maintenant, prends tous tes bagages et sors d'elle. Au nom de Jésus. C'est fini. Ne reviens plus. Allez, va-t'en. Il se mariait les enfants. Il buvait de l'alcool. La méchanceté continue encore. Pendant que nous est en train de prêcher, pendant que nous est en train de les appeler, oh mes frères, revenez. Dieu va détruire la terre. Dieu est sur le point de détruire 40 jours, 40 nuits. La terre sera détruite. Ni fait non yoko divefe à quoi beaucoup de terrain d'air beaucoup de terrain que le Seigneur encore donné sont épouillés. Non mais Dieu pour regarder à mousse de vrai on a l'offre. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il a commencé son jugement. Au diable de toi, il a pris pied. Il y a eu des nuages. Et c'est comme ça la pluie a commencé à tomber. La pluie a commencé à tomber. À midi. Et pensait que dans 30 minutes la pluie va cesser. Jusqu'à la tombée de la nuit, la pluie n'a pas cessé. Un jour passé, la pluie continuait. Et maintenant, ça continue à doubler sa vitesse. La pluie est venue à ce niveau. 10 jours, la pluie est venue à ce niveau. Les gens commençaient à escalader les choses. Aller sur le toit. Alléluia. À monter sur les arbres. Les arbres chiants. Alléluia. Amen. Même les chambres là, c'est plein. Il ne pouvait pas rester dans la chambre. Il est obligé de sortir pour aller sur le toit. Alléluia! Lui est arrivé à ce niveau. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Shalom, 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 mes bien-aimés, c'est la sœur Fouébé.
Je m'en vais au marché sonner la trompette au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donne ta vie à Jésus, mon fils. Les temps sont finis. Sois béni. Jésus t'aime. Jésus t'aime, je le sais. Il t'a cherché, retrouvé. Ton sauveur t'a racheté. Il te donne le salut. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Chante Alléluia. Alléluia. Oh. Jésus t'a sauvé. Jésus t'aime, je le sais. Il t'a cherché, retrouvé. Aujourd'hui, ton sauveur t'a racheté à la croix. Il t'a donné le salut. Alléluia. Abandonne tes péchés, mon frère. Alléluia. Et tu auras le salut. Sois Alléluia. Béni. Ton sauveur t'a racheté. Alléluia. Il t'a donné le salut. Chante Alléluia. Sois béni. Tiens, mon fils, la paix de Jésus-Christ soit avec toi. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Sois béni. Ah. Sois béni mon frère. Et non, c'est pas. Alléluia. Non, c'est sérieux mon frère. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus revient. Sois béni. Jésus t'aime, je le sais. Repentez-vous, peuple de la terre. Jésus revient. Tiens ma bien-aimée. Tiens ma soeur. La paix de Jésus qui soit avec toi. Mettez de l'ordre dans votre vie, mes bien-aimés. Les temps sont finis. Jésus revient. Alléluia. Le roi des rois revient, mes bien-aimés. Mettez de l'ordre dans votre vie, abandonnez le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient bientôt. Repentez-vous. Sois bien, ma fille. La paix de Jésus-Christ soit avec toi. Repentez-vous, peuple de la terre. Jésus vous aime. Jésus-Christ revient. Celui qui est mort pour nous à la croix, il revient. Le sauveur de l'humanité revient. Il revient chercher ce qui lui appartient. Car il a dit dans sa parole, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas en moi sera condamné. Mon frère, ne sois pas parmi les condamnés. Tiens, mon fils. La paix de Jésus-Christ soit avec toi. Ne sois pas parmi les condamnés, mon frère, ma soeur. Repentez-vous, les temps sont finis. Le roi des rois revient. Le Seigneur des seigneurs revient. Celui qui a abandonné sa gloire au ciel pour venir sauver la poussière que nous sommes. Il revient bientôt. Il revient juger les vivants et les morts. Repentez-vous. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ne te réveille pas en enfer. Tiens, ma bien-aimée, la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Ne te réveille pas en enfer, mon frère. Ne te réveille pas dans les temps de feu. Il fait chaud en enfer, n'y allez pas. Il fait très chaud en enfer, n'y allez pas. Jésus revient. Le roi des rois revient. Le Seigneur des seigneurs revient. Celui qui a laissé sa gloire au ciel pour venir sauver la poussière que nous sommes, il revient bientôt nous demander les comptes. Qu'as-tu fait de la grâce de Jésus-Christ? Qu'as-tu fait de la grâce qu'il t'a faite en prenant ta place à la croix? Mon frère, les temps sont finis. Sortez des religions. Celui qui sauve s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Aucune religion ne sauve. Sortez de l'aliénation religieuse. Les temps sont finis. Les temps sont finis, peuple de la terre. Si tu mourrais maintenant, où ira ton nom, mon frère? Ma soeur, où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité si tu mourrais maintenant? Sortez du mensonge. Les temps sont finis. Tu n'iras pas dire au ciel, on m'a menti, ça ne passera pas. Soyez béni. Tiens, ma soeur. Au ciel, on est seul. Hein? Ok, soyez béni. Tu n'iras pas au ciel dire on m'a menti. Sois béni mon fils. Tu
tu ne diras pas mon pasteur m'a menti, mon imam m'a menti. Ce n'est pas une raison. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité, mets de l'ordre dans ta vie aujourd'hui. Cherche la face de Jésus-Christ, sois béni. Le Dieu sauveur. Hop. C'est pas évident avec cela maintenant. Hop. Tenez. Soyez béni. Merci, c'est gentil. Sortez, cherchez la face de votre Dieu. Cherchez la face du Créateur du ciel et de la terre, sois béni, ma sœur. Sortez de l'aliénation religieuse. Sois béni, ma bien-aimée. Bientôt, il sera trop tard. Dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Mon frère, ma soeur, si tu mets pied en enfer, tu ne vas plus sortir de là. N'accompagne pas Satan en enfer. N'allez pas en enfer, mes bien-aimés. Sois béni, ma soeur. Cette religion qui te dit, tu vas aller en enfer, après tu verras. Si tu mets pied en enfer, mon frère, ma soeur, tu ne sortiras plus de là. N'y allez pas, il fait trop chaud. N'y allez pas. Merci, tiens mon frère. Soyez bénis, Jésus vous aime. Mais bien aimé, je ne prêche pas une religion. Car aucune religion ne sauve. Aucune religion ne sauve, mes bien aimés. Celui qui sauve, c'est celui qui est descendu du ciel. La parole. La parole s'est faite chair. Soyez bénis. Merci. La parole s'est faite chair. Elle a vécu parmi nous. Elle est morte à la croix pour nous. Elle revient bientôt nous juger. Le jugement dernier. Le jugement dernier va sonner bientôt, mes bien-aimés. Je vous le dis en vérité. Les temps sont finis. Mettez de l'ordre dans votre vie. Sortez de l'aliénation religieuse. Sortez de vanité. Vous n'irez pas dire au ciel, mon imam m'a menti. Non, mon Coran m'a menti. Ça ne passera pas. Je vous le dis en vérité. Parce qu'on va vous montrer cette journée aujourd'hui. Les caméras du ciel filment. Vous avez reçu le message. Repentez-vous. Bientôt, il sera trop tard. Bientôt, il sera trop tard, peuple de la terre. Jésus revient. Sabine, mon frère. Le roi des rois revient, mes bien-aimés. Le Seigneur des seigneurs revient. Jésus. Donnez votre vie à votre Dieu créateur. Bientôt, il sera trop tard. Les temps sont finis, mes bien-aimés. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de dire, moi, je suis dans la religion. Aucune religion ne sauve. Celui qui t'ouvre la porte du royaume des cieux s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Il revient, mes bien-aimés. Le sauveur de l'humanité, il revient. La parole. La parole qui s'est faite chair. La parole de Dieu qui s'est faite chair. Elle habitait parmi nous en chair. Elle a pris ta place, ma place à la croix. Pour que nous ayons la vie éternelle en celui qui a cru en lui. Car il est écrit. Sauf celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mon frère, ma soeur, seras-tu parmi les condamnés? Seras-tu parmi les sauvés? Où ira ton âme si tu mourrais maintenant? Sortez l'aliénation religieuse. Vous n'avez pas le droit, je vous le dis en vérité. Vous n'irez pas au ciel dire, mon pasteur m'a menti. Votre pasteur ne sera pas au ciel avec toi. La porte du ciel, tu n'iras pas dire, mon imam m'a menti. Ça béni. Tu n'iras pas dire, on m'a menti, ça ne passera pas. Les caméras du ciel enregistrent ce message que je vous livre aujourd'hui. Repentez-vous. Repentez-vous, les temps sont finis. Jésus-Christ a trop souffert pour sauver vos âmes à la croix, pour que vous terminez en enfer. Sortez l'aliénation religieuse. Sortez de là, les temps sont finis, sauvez vos âmes. Où ira ton âme si tu mourrais maintenant? Mon frère, si tu mets pied en enfer, tu ne sortiras plus. Ma soeur, si tu vas en enfer, tu ne sortiras plus de là. Je te le dis en vérité, n'y allez pas. Évitez d'y mettre pied. Cherchez le royaume des cieux. Cherchez Jésus-Christ. Cherchez la face de votre Dieu créateur. Il te promet le royaume des cieux maintenant de ton vivant. Il te promet la vie éternelle maintenant de ton vivant. Sortez l'aliénation, ne suivez pas le menteur. Le père du mensonge, il a menti dès le commencement. Il n'y a point de vérité en Satan. Ne le suivez pas en enfer. Repentez-vous. Repentez-vous.
Repentez-vous, moi je sonne la trompette de la repentance. Bientôt les anges vont sonner la trompette de l'enlèvement. Est-ce que tu seras enlevé, mon frère? Ma soeur, si la trompette sonne maintenant, où ira ton âme? Malheur à toi si tu restes sur la terre. Je te le dis en vérité. Tu appelleras la mort ne viendra pas te chercher. Repentez-vous. Insultez-moi, dites-moi tout ce que vous voulez. Mais le ciel enregistre que je vous ai donné le message. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je n'ai aucun pouvoir pour vous convaincre. Mais je livre le message. Je livre le message, repentez-vous. Sortez de l'aliénation religieuse. Sortez de là, repentez-vous, Jésus revient. Le sauveur de l'humanité revient. Le créateur du ciel et de la terre, il revient. Celui qui est mort pour nous à la croix, il revient. Il revient te demander des comptes. Qu'as-tu fait de la vie qu'il t'a donnée? Qu'as-tu fait de la souffrance que Jésus-Christ a souffert pour toi à la croix? Il est mort pour toi. Qu'est-ce que tu as fait de cette vie? Repentez-vous. Repentez-vous, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, repentez-vous. Sortez de l'aliénation religieuse avant qu'il ne soit trop tard. Bientôt, il sera trop tard. Bientôt, il sera trop tard. Les portes de la grâce vont se refermer. Accourez à la source de vie en Jésus-Christ. Accourez à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Sortez de l'aliénation religieuse. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis, peuple de la terre. Accourez au chemin, la vérité, la vie. Il s'appelle Jésus-Christ Nazareth. C'est lui votre Dieu sauveur. Qui c'est qui est mort pour toi à la croix, mon frère? Est-ce que ton père est mort pour toi? Ta mère est morte pour toi? Jésus-Christ, qui est Dieu, il a laissé sa gloire au ciel. La parole s'est faite chair. Il habitait parmi nous. Et il a donné sa vie pour que tu vives éternellement. Ce n'est pas pour que tu sois aliéné. Ce n'est pas pour que tu termines en enfer. Ma soeur, si tu mets pied en enfer, tu ne sortiras plus de là, je te le dis. Devant Dieu, il n'y a pas de petits péchés. Si tu murmures dans ton cœur contre moi, tu meurs à l'instant, tu vas en enfer. Je te le dis en vérité. Tu ne cacheras rien à Dieu. Repentez-vous. Moi, je donne le message. Après, vous faites ce que vous voulez. Tu es libre de choisir d'aller en enfer, mon frère. Tu es libre. Le Seigneur nous a créés libres. Tu es libre de choisir d'aller en enfer ou de terminer dans le paradis avec Jésus-Christ. Tu es libre. Mais tu ne diras pas, je ne suis pas au courant. De ton vivant. Mon frère, l'enfer existe. Ma soeur, l'enfer réclame ton âme. Si tu n'as pas choisi Jésus-Christ, si tu meurs sans Jésus, tu vas en enfer, mon frère. C'est la stricte vérité. Si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, mon frère, ma soeur, tu vas aller en enfer. Repentez-vous. Donnez votre vie à votre Créateur. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va au ciel qu'en passant par lui. Sortez de l'aliénation, les temps sont finis. Car au ciel, tu n'iras pas dire que mon imam m'a menti. Au ciel, tu ne diras pas mon pasteur m'a menti. Au ciel, tu ne diras pas mon prêtre m'a menti. Mon frère, on va te montrer cette journée aujourd'hui où tu t'es moqué de moi. Si je suis là, mes bien-aimés, ce n'est pas de mon chef. C'est parce que Jésus-Christ t'aime, il veut te sauver. Parce que ton âme a une grande importance devant lui. Car à cause de ton âme, il a laissé sa gloire au ciel. À cause de ton âme, il a souffert à la croix pour te racheter. Il a souffert à cause de ton âme à la croix, mon frère. Il ne veut pas que tu te perdes. Il ne veut pas que tu meurs, mon frère. Je parle de la mort spirituelle. En Jésus-Christ, tant bien tu meurs, tu vivras éternellement. Accourez au Dieu de la vérité qui te promet la vie éternelle de ton vivant. Ce Dieu qui te dit ne va pas en enfer. Mon frère, ma soeur, si tu mets pied en enfer, tu ne sortiras pas. Je te le dis en vérité, n'y allez pas. Fuyez le mensonge de Satan. N'allez pas en enfer. On ne va pas en vacances là-bas, mes bien-aimés, il fait trop chaud. Repentez-vous. Sortez de la vanité de ce monde, car vanité de vanité. Tout ceci n'est que vanité, mes bien-aimés. Ce qui compte, c'est le salut de ton âme, Sabine, mon frère.
Ce qui compte, c'est le salut de ton âme, mon frère. Ma soeur, ce qui compte, c'est le salut de ton âme. Je suis là pour le salut de ton âme, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas là pour t'attirer dans ma religion. Parce que la religion ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est celui qui est descendu du ciel. C'est la parole. La parole qui s'est faite chair. Jésus-Christ Nazareth. C'est lui le Dieu sauveur. C'est lui le créateur de l'humanité. Il lui a plu de venir en chair sur la terre. Il est venu prendre ta place et ma place à la croix. Il revient bientôt, mes bien-aimés. Sortez l'aliénation religieuse. Sortez des religions de Satan. Les temps sont finis. Vous n'irez pas dire, on m'a menti. Ça ne passera pas. Sois béni. Amen. Jésus t'aime, je le sais. Il t'a cherché, retrouvé. Aujourd'hui, ton sauveur t'a racheté. Il t'a donné le salut. Sois béni. Alléluia, ouvre la bouche et chante alléluia, alléluia, oh. Repentez-vous, alléluia, oh. Jésus t'a sauvé, Jésus t'aime, je le sais, il t'a cherché, retrouvé, aujourd'hui, ton sauveur t'a racheté à la croix, il t'a donné. Le salut chante alléluia, 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 alléluia. Ouvre la bouche et chante avec moi, alléluia. Oh. Jésus t'a sauvé, il est ressuscité, victoire, il est ressuscité, Jésus est ressuscité, soyez bénis, cité, Jésus est ressuscité, victoire, il est ressuscité, victoire. Le Seigneur est vivant, il est vraiment vivant. Il a vaincu la mort est engloutie. Mort, où est ton pouvoir? Oh, victoire, victoire. Jésus est ressuscité, victoire, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, victoire, il est vraiment vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie, mort où est ton pouvoir, oh victoire. En Jésus-Christ, tu ressusciteras tant bien même tu meurs. Car il t'a ressuscité avec lui. En Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle, mon frère. Tant bien même tu meurs, tu auras la vie éternelle. Amen. Amen. En Jésus, tu as la vie éternelle, mon frère. Accourez au Dieu de la justice. Accourez au Dieu d'amour. Accourez au Dieu miséricordieux qui ne regarde pas nos crimes. Car il nous demande seulement de nous repentir. Quel que soit le nombre de morts, le nombre de crimes que tu as commis. Ma soeur, quel que soit le nombre d'avortements que tu as fait, Jésus-Christ te demande de te repentir et d'abandonner ton péché. Ce n'est pas de te repentir aujourd'hui et demain retourner dans ton vomi. On ne se moque pas de Dieu. Quel que soit le nombre d'avortements que tu as fait, ma sœur, Jésus-Christ te dit, repens-toi. Repens-toi et tu te reprends. Tu abandonnes ton péché. C'est tout ce qu'il te demande. Et tu auras la vie éternelle. Tu marches dans la soumission de la parole. Dans l'obéissance. C'est tout ce qu'il te demande, mon frère. Sortez de la vanité de ce monde. Sortez du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Repentez-vous. Repentez-vous, mes bien-aimés. Ne courez pas si vite en enfer. Chabine, ma sœur. Ne courez pas si vite en enfer. Il fait très chaud en enfer. N'y allez pas. Vous courez très vite en enfer. N'y allez pas. Repentez-vous. Ne suivez pas Satan. Si tu mets pied en enfer, mon frère, tu ne sortiras plus de là. Tu auras une vie éternelle en enfer. À regretter chaque jour de ta vie sur la terre. Je te le dis en vérité. À courir à la source de vie en Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Sortez l'aliénation religieuse. Bientôt, il sera trop tard. Vérité. Si tu mets pied en enfer...
Quand on te dit qu'il y a une balance entre les biens et le, entre les biens et les péchés, si tu as un péché, tu vas en enfer, mon frère. Et si tu mets pied en enfer, tu ne sortiras plus. Et il n'y a aucune vierge qui t'attend, mon frère. Satan, il se moque bien de vous. Si ce n'est les démons qui t'attendent de pied ferme, ils prient que tu meurs dans ton aliénation. Ils t'attendent de pied ferme en enfer, je te le dis en vérité. Ils se moquent bien de vous, repentez-vous. Jésus revient. Le roi des rois revient. Ah oui, ma bien-aimée, oulala. Qui ne nous trouve pas dans le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Aucun pécheur n'ira au ciel, mes bien-aimés. Aucun hypocrite n'ira au ciel. Ce n'est pas la peine de vous couvrir. Vous ne cacherez rien à votre Père céleste. Repentez-vous. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Vos robes, ce n'est pas ce que vous portez charnel. Votre robe, c'est votre âme. Lavez vos âmes, mes bien-aimés, avant qu'il ne soit trop tard. Bientôt, il sera trop tard. Bientôt, la porte de la grâce sera fermée. Si tu mourrais maintenant, où ira ton âme, mon frère? Ma soeur, si tu mourrais maintenant, où passeras-tu l'éternité? Mes bien-aimés, si je suis dans la rue, ce n'est pas parce qu'il me manque de quoi faire. Mais c'est parce que le Seigneur m'a dit, va, annonce. Et les caméras du ciel enregistrent que j'ai annoncé le message. Après, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous attirer dans une religion. Car aucune religion ne sauve. Dieu n'a pas créé de religion. Car Dieu ne peut pas disperser ses enfants. C'est Satan qui a créé des religions pour nous séparer. Sabine, ma bien-aimée. Pourquoi au lieu de servir Dieu, on est là en train de se dire, c'est moi qui suis dans la bonne religion. Or, aucune religion ne sauve. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole de Dieu qui s'est faite chair. C'est la parole de Dieu. Il a laissé sa gloire au ciel pour venir mourir à la croix pour toi, pour moi. C'est lui qui sauve. C'est lui qui revient bientôt nous juger. Mes bien-aimés, sortez du péché. Sortez du péché, sortez de l'aliénation. Sortez des religions. Les temps sont finis. Repentez-vous. Lavez vos robes. Lavez vos robes, mes bien-aimés. Car seul celui qui lave sa robe rentrera dans la ville sainte. La robe, ce n'est pas charnelle, ce n'est pas celle que tu portes. C'est ton âme. C'est spirituel, c'est ton âme. Ôte le péché du milieu de toi. Repentez-vous. Jésus revient. Gloria. Les deux sœurs qui viennent d'Italie et qui sont prêtes à suivre Jésus. Alléluia. Si vous avez quelque chose à dire. Alléluia. Alléluia. Nous aimons Jésus. Nous acceptons Jésus. Alléluia. Alléluia. Parlez en italien alors. Amiamo Gesù e lo accettiamo e amen. Amen. Alléluia. Des sœurs italiennes qui aiment Jésus et qui sont acceptées Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui sont prêtes à suivre le vrai Dieu. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Allez, allez, on dit gloire, 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 gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon frère, voilà, je montre un monsieur qui est dans l'islam, qui a entendu l'évangile de paix, et j'ai demandé de prier pour lui. Si l'église peut prier pour lui, moi je vais prier pour lui, que le Seigneur guérisse, parce qu'il a eu un AVC, il n'est pas bien du tout. Et là je suis à Nîmes, je vais prier que le Seigneur lui fasse grâce. Et mon souhait c'est qu'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et qu'il soit sauvé. Alléluia. Alléluia. Dis-moi si tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui. Tu le dis, je veux accepter Jésus. Dis-moi si tu veux que Jésus te guérisse. Oui. Je veux que Jésus... Regarde-moi. Est-ce que tu veux que Jésus te guérisse? Oui. Bon. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Judas. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui dort. Tu n'es pas un Dieu qui a la main courte pour sauver tes enfants. C'est ta création. Seigneur, cet homme que je viens de croiser, il est malade. Il a eu un AVC. Seigneur, mets ta main sur lui, Seigneur. Je sais que tu agis avec puissance dans toutes les prières que je fais, Seigneur.
Je sais que tu agis avec puissance, Seigneur. Agis dans cet homme, Seigneur, qui est en face de moi, Seigneur. Mets ta main sur lui, Seigneur, qu'il soit délivré de tout AVC, Seigneur. Que je le vois dans les semaines qui viennent, que je le croise et qu'il soit totalement guéri et qu'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, dans sa vie, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Qu'il soit restauré, guéri, Seigneur. Que tout esprit maléfique qui l'ont attaqué, Seigneur. Tout agent de Satan, esprit de mort, esprit de démon, esprit de sorcier, qui l'ont combattu pour lui faire du mal, soit égorgé, lié, ramassé, égorgé, jeté dans les ténèbres. Seigneur, qu'il soit délivré de tout mal, de tout esprit maléfique, de tout lien satanique, de tout envoûtement maléfique, de toute maladie satanique. Que son corps soit régénéré, que son corps soit restauré maintenant par la main de l'Éternel Dieu des armées, par ton sang, Seigneur Jésus, qu'il boit le sang de Jésus-Christ, qu'il boit le sang de Jésus-Christ. Bois le sang de Jésus-Christ, je bois le sang de Jésus-Christ, je bois le sang de Jésus-Christ, bois le sang de Jésus-Christ, mon frère. Bois le sang de Jésus-Christ, je bois le sang de Jésus-Christ, je bois le sang de Jésus-Christ, bois-le, je bois le sang de Jésus-Christ, ça va t'aider dans la guérison. Je bois le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, dis-le, sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, je suis délivré maintenant, je suis délivré maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ, que cet homme soit guéri maintenant. Seigneur, tu n'as pas la main courte pour le restaurer. Seigneur, tu fais toujours des miracles. Cet homme soit totalement guéri, Seigneur. Donne-nous la chance d'être restauré et guéri pour te suivre en esprit, en vérité, qu'il voit les miracles dans sa vie, Seigneur. Qu'il voit ce que tu as fait, Seigneur, qu'il te suive maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et mes frères aussi qui sont là pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui attendent Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Jésus. 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 Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, nous venons de terminer ici aux eaux du baptême. Alléluia. Voilà, le Seigneur s'est puissamment manifesté dans la vie du frère. Le frère qui s'appelait auparavant Joël. Le Seigneur lui a donné le nom de Silas Joël. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous bénissons vraiment le Seigneur Jésus pour sa vie. La Bible dit vraiment, il y a de la joie au ciel pour un seul péché qui se répand. Gloire à Jésus, le frère. À partir d'aujourd'hui, est devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus. Jésus. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Santé, vous salue. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus pour ces jours merveilleux qu'il nous a donné. Amen. À de rendre visite
à la servante de l'Éternel, la sœur Elisabeth. Amen. À qui est ici, dans cette localité de Lobo. À Lobo, c'est 40 km de Yaoundé. C'est dans le département de la Lekie, chef de Monatele. Nous sommes venus pour rendre visite à ses enfants, toute la famille. Et c'était vraiment merveilleux. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. De rendre visite les uns les autres. Les autres. Alléluia. Dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. On se retrouve. Et je déclare également Lobo. Lobo, Lobo sera pour Jésus. Pour Jésus. Lobo pour Jésus. Lobo pour Jésus. Amen, amen. La ville de Lobo pour Jésus. Jésus. La sainte doctrine du Seigneur Jésus qui va faire son entrée dans la ville de Lobo. De Lobo. De Lobo. La sainte doctrine sera prêchée. Amen. Dans la ville, localité de Lobo. Gloire à Jésus. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Au Seigneur Jésus. Alléluia. Ah, là aussi, mes enfants, mes amis. Amen, 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 amen. Gloire amen. Au Seigneur Jésus. Amen. Avec la semaine d'incrédulité, on a foutu ta terre. Avec la semaine d'incrédulité, déclaré, c'est que tu portes un foutement dans mon cœur. C'est que tu. Oui, comme tout en mouvement de sorcellerie. Oui, 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 oui. Tu sais I know.
Satan. Victoire, victoire. À Jésus, vainqueur Satan. Il nous donne la victoire. Victoire, victoire, victoire. Alléluia. À Jésus, vainqueur ton péché. Il nous donne la victoire. Victoire, victoire, victoire. Alléluia. À Jésus, vainqueur des morts. Il nous donne la victoire. Victoire, victoire, victoire. Alléluia. À Jésus, vainqueur Goliath. Il nous donne la victoire. Victoire, victoire, victoire. Alléluia. Shalom, 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 bien-aimés, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés ici à la fin de notre culte de louange et d'adoration ici l'église Jésus revient de Mahoua. Bien-aimé peuple de Dieu, le Seigneur nous parle aujourd'hui que l'humain, il est le véritable serpent d'airain qui est la solution pour vaincre le péché et le remède à la guérison de toutes nos maladies. Alléluia. Bien-aimé, toi qui nous regardes, si tu acceptes Jésus comme le seul serpent d'airain qui est vivant, alors si il va accomplir de grandes choses dans ta vie. Il va ôter le mal. Il va également être la solution qui te guérit, qui te libère de toute maladie et de toute douleur. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Amen. Nous saluons nos frères de Cotonou. Soyez bénis, bien-aimés. Ceux de Dakar, Grand Bassam, Porto Novo. Akpapa, soyez bénis, bien-aimés. Ceux de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua. La France, Montpellier, Mosson, on ne vous oublie pas. Canada, vous êtes là au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés de Doukla, on ne vous oublie pas. Soyez bénis. Bertois, vous êtes au rendez-vous également. C'est de Kaya, homme de Dieu. Soyez également bénis. Alléluia. On lève la main, on salue nos bien-aimés. Ils nous suivent. Shalom, shalom, shalom. Jésus, 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 Jésus. Nous pouvons faire l'œuvre de Dieu. Mais nous ne pouvons pas hériter son royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu les ruses dont l'ennemi en a suscité. Dans le but que les chrétiens. Abandonne le mensonge, le vol. On n'est pas la témoignage, tu fais baigner.
abandonne l'avortement. Pour y passer, Zanji. L'enfer est brûlant. Mais c'est ça, c'est
Tu es dans le poids des mains, chère femme.